Yop les gens, c'est Ozer, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir dans l'accueil multijoueur, ça va être du quartier général. Me demandez pas pourquoi je suis allé dans ce mode, je suis allé dans ce mode totalement par hasard en fait. Parce que j'étais parti pour tenter 200 kills en guerre terrestre, mais des gars de ma team étaient partis manger, donc on était 6. On s'est dit allez tiens, on va faire un petit peu de QG sur Necton, ça fait pas de mal. À l'ancienne, en mode bandidos, en mode OCB, voilà. Donc les gars, je vais directement vous spoiler comme d'habitude, hein, c'est pas la peine de vous faire attendre la fin de la vidéo. J'ai fait plus de 200 kills avec en bonus une double nucléaire. Donc c'est la vidéo rush, voilà. La dernière vidéo était donc le du spawn trap, donc cette fois c'est du rush, comme promis. Donc voilà les gars, vous pouvez voir, j'ai la connexion. Par contre, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que les 6 premières minutes du gameplay seront légèrement, enfin même, seront accélérées tout court, tout simplement parce que le temps qu'on arrive à se placer, qu'on arrive à bloquer les spawns et tout, il y a eu un petit moment de, on va dire, de flottement et on n'a pas fait, enfin j'ai pas fait spécialement de kill et je suis mort peut-être 2 ou 3 fois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de vous avancer. Ce petit passage du gameplay, donc je vous laisse quand même en accéléré, comme ça personne pourra dire ouais ça se trouve quand t'as coupé il s'est passé des trucs, donc voilà. Au moins je vous montre tout, même si ça me gonfle comme dirait Croque Madame, ça me casse les couilles de devoir tout prouver à chaque fois, de devoir tout machiner. Mais bon la communauté est devenue comme ça, donc ma foi on n'a pas le choix. Bref les gars, on va commencer direct à attaquer le commentary. Donc j'ai vu donc le trailer du nouveau DLC Black Ops 2, le DLC Apocalypse, qui sortira le 27 septembre pour la Xbox, non, 27 août, pardon, pour la Xbox et le 27 septembre pour la PS3. Donc je vais directement, voilà, mettre la petite image du DLC. Donc je pense que vous l'avez déjà tous vu de son sur Code QG, hein. Je fais juste vite fait mon point de vue, je suis pas là pour faire une découverte ou quoi que ce soit, ça sert à rien. Donc Map Zombie Origin, donc en voyant l'image, moi la première fois, je me suis imaginé, moi, que c'était pendant la Première Guerre mondiale, donc je me suis pas trompé, hein. Vous pouvez voir là le zombie a un casque de Prussien, donc les Allemands, avec le pic au-dessus. Mais c'est Première Guerre mondiale un peu bizarre, parce qu'il y a un robot géant, enfin c'est des zombies un peu cyborg, c'est chelou franchement. J'accroche pas trop, moi je pensais plutôt que c'était pendant la Première Guerre mondiale et tout, avec des bonnes armes à l'ancienne, mais du coup bof. On a genre deux anciennes armes là, un pistolet, un Mauser je crois, et une mitraillette. Après donc il y a la map Pod. Donc elle m'inspire pas tellement cette map, j'ai vu c'était pas mal, enfin c'était des petites cabanes un peu rondes là, c'est bizarre, une sorte de yourte, pas mal enfin il y en a plein dispersés sur la map. Après il y a Frost, donc c'est la, si je me trompe pas, c'est la première map enneigée de Black Ops 2, si je me trompe pas. Ouais il me semble que c'est la première map enneigée de Black Ops 2. Ensuite il y a Take Off, donc Take Off si j'ai bien compris la vidéo en anglais, c'est un remake de Stadium de Black Ops 1. Et ensuite il y a Dig, map qui ne m'inspire pas spécialement non plus, donc on verra après la sortie du pack, hein. Donc encore une fois c'est un pack qui, voilà, qui s'annonce pourquoi pas, mais bon moi je sais, personnellement je l'achèterai pas, hein, d'ailleurs je vais pas dépenser de l'argent là-dedans. Bref on regardera tous ensemble les vidéos un peu qui sortiront donc le 27, je sais pas ce que ça va pleuvoir comme à chaque sortie de DLC, donc on pourra se faire un avis, mais personnellement je vois pas trop l'intérêt de l'acheter sachant que Ghost et les nouvelles consoles sortent genre 1 mois et demi après, voire 2 mois. Donc bof, pas top. Bref, donc voilà, je voulais enchaîner directement sur. Je voulais remercier deux youtubeurs, deux collègues. On va dire même trois, allez. Je voulais remercier Bandidos qui m'a fait une petite dédicace dans sa vidéo. Donc un 107 à 9, ou un 109-7, je sais plus, dans Plaza. Avec la MP7. Donc ouais il m'a fait une petite dédicace en disant que j'avais besoin d'aide et tout. Donc franchement c'est vraiment sympa à toi gros, je sais pas si tu regarderas cette vidéo mais je te remercie vraiment. Ça m'a ramené un peu d'abonnés et un peu de likes. Bon comme d'habitude ça m'a ramené un peu de dislikes. Ouh là là, attendez les gars, on va même remercier 4 youtubeurs, on va faire 4 comme ça. Donc voilà, merci Bandidos franchement. Moi tu sais que s'il y a besoin, voilà je t'ai déjà dit en message privé Facebook, s'il y a besoin si tu veux parler, quoi que ce soit. Y a pas de souci, tu vois, je peux très bien t'écouter, on peut discuter, y a pas de souci. Donc voilà, merci à toi pour ta dédicace, gros, ça fait plaisir. On voit que voilà, je suis soutenu et tout, ça fait vraiment plaisir. Après, voilà, je voulais remercier donc Londonef également qui m'a aussi fait une petite dédicace
dans sa description. Donc voilà, c'est pas grand chose, hein. Je vais juste passer une musique pour un de ses gameplays. Il m'avait demandé s'il pouvait me prendre une musique. J'ai dit bah vas-y, écoute, je te la file, voilà. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir franchement d'avoir des dédicaces comme ça, de plus grands que soi. Donc surtout quand ce moment voilà, c'est pas non plus la joie pour moi sur YouTube. Donc franchement, ça fait plaisir. Après, je voulais remercier, donc ne me rate pas, mais dis aussi un bon pote, franchement, rien à dire à lui, franchement. Je like toutes ses vidéos, c'est vraiment du lourd ce qu'il fait. Donc toi Mehdi, c'est la même chose, bon, dès que je te demande du soutien, de l'aide, c'est la même chose, t'es toujours là, donc pour les plus verts, pour les commentaires, il n'y a pas de soucis, t'es toujours présent. Ça fait vraiment plaisir. Donc encore une fois, je te le redis, si t'as besoin de soutien pour genre tes live commentaries, tu veux des drones brouilleurs, des micros, tu nous demandes, enfin tu me demandes et je débarque avec les collègues de la VIPR. On te soutient, il n'y a pas de soucis. Et vraiment gros, continue sur YouTube et reste comme t'es parce que franchement t'es génial. Et aussi bah voilà, je voulais remercier Croc Madame. Donc Croc Madame, voilà, un gars de la rage, très sympa, franchement, c'est l'un des seuls avec qui je m'entends dans la rage avec Globox aussi que j'aime bien. Donc vraiment des gars très simples et très sympas. Donc voilà les gars, je tenais à le préciser, quand il y a du mauvais je le dis, quand il y a du bon je le dis aussi. Donc, voilà tout, je crois que c'est bon pour les remerciements. Donc vous pouvez voir les gars qu'on est rentré directement dans le rush. Donc moi je pense que je vais commencer directement à aborder mon sujet parce que là ça passe quand même plutôt pas mal vite le temps. Attendez que je retrouve ma petite note, voilà. Donc j'avais envie d'aborder un petit sujet quand même, on va faire vite. C'est que sur YouTube en ce moment je vois pas mal de trucs, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Enfin j'ai vite abordé. Les records, je sais pas, je trouve ça vraiment débile la manière dont on s'impose des records, c'est-à-dire que je vois certains commentaires, je dirais pas les noms, hein. Franchement ça me casse les couilles déjà, je dirais pas les noms, mais je tiens à remettre les choses en place. Petit coup de cul au passage. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est en dehors de la domination en 10 minutes, ça peut pas être compté comme record. Alors ça vient apparemment, les Américains ont décrété que c'était comme ça, donc on doit faire comme ça. Donc moi je trouve ça super débile, super con. De s'imposer une règle comme ça, je vois pas pourquoi la demi en 10 minutes ça compte. Il y a que ce mode-là qui compte pour les records, surtout que la demi en 10 minutes c'est inventé depuis Black Ops 2, donc c'est complètement stupide. Après, je veux dire, voilà, en démo, les spawns ont été codés comme ça a été développé comme ça. Nous, on se sert de ce développement-là, donc on établit une stratégie et une entente de jeu pour arriver à se servir de ce développement pour faire des gros scores. Donc encore une fois, moi je fais pas de glitch, je fais pas de hack. Les scores sont là, à la sortie les scores sont là. Le mode de jeu voilà, et c'est un vrai mode de jeu, c'est pas du mode PC. C'est du vrai mode de jeu, c'est du vrai développement, c'est du truc officiel, c'est un vrai mode. Que ce soit en 15 minutes ou en 10 minutes, le mode est dans le jeu. La façon d'où après on fait les kills, même si on tire dans une barrière ou quoi que ce soit, les kills ils sont là, le score est là. Je veux dire, la demi en 10 minutes, c'est que depuis Black Ops 2, la demi MW3 c'était 10, 12, 13 minutes des fois même quand tu faisais durer les drapeaux. Donc, faut arrêter de stigmatiser tout ce qui est en dehors de la demi, ça compte pas pour les records, trop lol. Faut arrêter les gars, franchement, moi ça commence à me casser les couilles. On est en train de se formater, la commu française est en train de se formater une mentalité de mes deux couilles, mais c'est n'importe quoi. Franchement, ça me dégoûte, ça me casse les couilles. Et franchement, je pense que je suis pas le seul. Donc moi, franchement, voilà, je dis, c'est n'importe quoi. Un record peut très bien être établi en démolition, en CTF, en sabotage, en n'importe quoi, que ce soit en spawn trap, en spawn kill, en n'importe quoi. Le jeu est fait comme ça, t'as le droit de l'utiliser. C'est comme, je vais faire la tête de con, mais c'est comme ceux qui disent, ouais, moi je joue à l'UMP, j'ai payé le jeu 70 euros, je joue comme je veux. Mais moi, c'est la même chose. Le jeu, je l'ai payé, je joue avec ce que je veux et de la manière que je veux. Les kills, ils sont là. Les scores sont là, c'est tout. On peut pas dire le contraire, les scores sont là, voilà. Moi je veux dire, là encore une fois, je suis d'accord sur un point avec Croc Madame, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure sur Skype. C'était avec lui que j'en ai parlé? Ouais, il me semble, ouais, on va dire que c'était avec toi, gros. En fait, moi pour moi, les records ça peut pas être compté genre en PC 9 contre 9 en démolition. Enfin, parce que c'est trop simple, je veux dire, un 9 contre 9 sur Newton. Voilà, je veux dire, tu lances un lobby star, tu fais une quad, après Adav, la chanson, vous la connaissez, hein. Donc perso, tout ce qui est sur PC en 9 contre 9, enfin, ça compte pas. Donc les modes only PC, pour moi, ça peut pas être compté comme record. Donc voilà, j'ai vu un 500 kill et un 495 de Wasabi, ça vaut rien, pour moi, ça vaut rien. C'est du record PC, c'est tout, c'est pas console. Voilà, donc ça c'est dit.
Donc avant de clôturer ce petit commentaire, je voulais vraiment vous remercier pour les 100 likes pour ma dernière vidéo sur le 215-13 sur Standoff, même plus de 120 likes actuellement, donc franchement merci, même si j'ai 50 dislikes à l'heure actuelle, ça me fait un peu chier, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc je compte vraiment sur vous pour aussi liker cette vidéo, parce que j'ai demandé l'avis sur Facebook, les gens ont voté pour cette vidéo, donc voilà. J'espère que ça vous fera plaisir, et puis bah écoutez, moi les gars, je vais partir en vacances dans pas longtemps, donc j'essaierai de vous uploader une vidéo en programmée pour pendant les vacances. Donc voilà les gens, on se dit bah à la prochaine, et puis passez une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas quand est-ce qu'on va regarder cette vidéo. Ciao, bye bye. I'm gonna kick your ass, bitch. Salut, c'est moi la tête d'enfant et la taille d'un passe-partout. Mais faut pas se fier aux apparences. J'taille ma pose pour qu'elle casse tout. Elle est pas toute douce mais dure. Toujours nette et précise, marinée sombre et mûre. Car je la sens au moment propice. Insolent, j'me lâche sur ce beat à 100%. J'descends pas ni m'cache qui m'habite est trop puissant. J'utilise des mots cash car le message est présent. Mon gars, tu voulais du trash. Tant mieux, j'vais pas rire souvent. Étrange Marnus pourtant. J'conne sur ma barcolage. Disons que je profite de mon temps. Sachant qu'il rattrape même les barges. Vu qu'on est rien finalement, ça j'avoue, ça me pousse à voir large, rien de prédit que j'en ai pour longtemps. Je veux pas juste attendre le naufrage. J'débite ce que j'ai sur le cœur, c'est devenu comme une thérapie. Sauf que j'ai pas besoin d'un docteur que je paye pour écouter ce que je dis. Car invisible est la douleur qu'on est loin de l'amélioration. Je veux pas ravaler ma rancœur, ce serait risquer la dépression. On nous balance de belles images de poumons noirs sur nos paquets. Comme pour faire passer un message, comme une tutelle à petit budget. Tu le sais que fumer c'est mal, mais t'es-tu demandé ce que ça masque tous ces gosses qui crèvent la dalle. Tu les vois pas sur ton Big Mac. J'en ai marre de lire le journal parce qu'on ignore ce qu'ils ont omis. On parle des jeunes qui fument déjà, ne pas des over. Dose d'héroïne, des braquages d'enrichissimes et des banques dévalisées. On en oublie vite la famine et les attentats meurtriers. On me dit baisse, gaffe, fais gaffe, t'as pas des propos qui plaisent. Rien à foutre, moi je fais mon taf, je suis pas comme tous ces sons qui se taisent. Pas peur de la censure, au pire ça me fera du buzz. C'est pas le rap qui fait des tunes, je fais tourner mon son comme un buzz. Si l'image passe avant l'homme, autant dire que tu mal parti. La rage de voir si peu de bonhommes n'est sans l'option lobotomie. Pas résigné, un gueule vite dominé d'un air monotone. Pour ceux qui se contentent pas de survie, simplement parce que c'est la norme. J'offre un flow à mes idées sur les mots faut pas les iner. T'as pas compris, je suis cataré qui supporte pas d'être enfermé. Un fou qui peut pas se la fermer, qui ne tolère pas d'être traîné. Impossible pour moi d'arrêter, ce serait trahir ma destinée. Mon seul bien matériel précieux, sans hésiter mon cahier. Dans lequel j'écris des phases affreuses avec l'intention de les gueuler. Chaque jour le monde paraît plus crade, ça rend pas mes vers positifs. Mais y'a que le rap qui me soulage, sans lui je serais sûrement dans la fuite. Recession. The fact that I'm alive is such a blessing. Sipping wine while these honeys and Davis, me, Sinatra, and my... Some say they used to sleep on.
one day I'm